Regardez ça, si c'est joli. Quand on arrive comme ça, qu'il y a d'aussi beaux légumes, et des, regardez ça, des noisettes grosses comme des noix comme ça du Périgord, des châtaignes ou des marrons qui sont superbes, bien pleins comme ça. Touchez ça si c'est beau. Donc ça, il y a mille façons de les faire, mais la façon la plus traditionnelle, c'est de les faire cuire dans de l'eau avec un peu d'anis pour donner du goût, ou de les faire sauter avec une poêle à marron dans la cheminée. Mais ça, c'est comme on faisait. Alors, quand vous les bouffez, vous avez les doigts tout noirs. Mais sachez qu'avec ça, une fois que vous les avez fait cuire, vous les pelez bien comme il faut. J'en avais une ici. Vous la pelez comme ça. Et ça, c'est des belles châtaignes. Hein. Et vous la mixez, un coup de mixeur, un peu de crème fraîche, et vous faites un potage de châtaigne ou une soupe de marron, ou comme vous voulez, et sur laquelle vous pouvez mettre des petits filets de palombe servis comme ça, juste émincés. C'est absolument délicieux. Croyez-moi, une soupe de châtaigne, là, vous allez épater vos amis.